Connectons-nous. Tranquillement. Ça avance celle-là avec les modes. Ouais, ça avance. On devait en faire la semaine dernière, mais on a pas pu au final. Mais il y a Bichard. Salut. Salut. Allez, allons à la base qui a extrêmement bien changé. J'ai vu déjà ce matin. Regardez. Alors ça, c'est pas eux qui l'ont build, hein, c'est automatique. C'est ça en fait le gros truc de Cross Ages, c'est que quand tu améliores les trucs, ça augmente et tout, ça se construit tout seul. C'est incroyable. C'est beaucoup trop stylé. Moi j'adore, ils font des trucs de balade, globalement. Ils font des trucs de balade. Alors attends, on en est à quel... Là on est âge industriel, mais alors, est-ce que l'âge d'or... Parce que moi j'ai toujours pas compris comment ça marchait, je rappelle. Est-ce que l'âge d'or a été validé? Oh putain, y'a des mobs à buter. Attends, y'a des mobs à buter, ils sont où? Oh merde, y'a des mobs à buter. Bon, c'est bon. On est en quoi là? Votre camp de base, ferme. Là, on est à l'âge d'or. Amélioration déjà effectuée. Donc là, maintenant, on vise l'âge industriel. C'est pas mal, je rappelle que ça avance très très bien là. Ça avance très bien. Ils ont. Bah. T'en as, on le sait, ils farment beaucoup. On le sait, t'en as, ils farment beaucoup, mais c'est l'objectif aussi. Hein. Hop, après c'est sur 3 jours, ça va vite. Hein. Et là, regardez ça, je crois que, si je dis pas de conneries, ouais, voilà. Voilà. Ça a bien avancé. Hein. C'est quoi ce bruit, par contre, que j'ai en permanence, là, qui est insupportable? C'est quoi ce bruit que j'ai? Ça y est, il est parti. Il y est plus là. Là il y est plus. Si je pense que c'était la vague et tout. Je pense que c'était la vague. Globalement. Tissus de la vague de mode, nous avons enfin parvenu, nous avons fini 8ème et gagnons 150 d'argent par minute. Ok. Attends, je vais aller en vocal mais j'ai peur qu'ils entendent ma clim, on va voir. On est lamentable. T'as plus sur 10. Salut. Salut Steve, ça va? Salut. Ça va et vous? Ça va. Vous êtes prêts pour l'event? Ouais, chaud. J'ai pas suivi ce qu'il fallait faire, mais ouais, c'est pareil. Ah, y'a un event, ah oui, c'est vrai. Ouais, y'a un event à 14h30. Bah, je vais redemander, en gros, c'est un. Alors, il appelle ça le rail run. En gros, t'as un train que tu dois amener d'un point A à un point B. Et c'est la première équipe qui l'amène. Et pour ça, tu dois dégager des obstacles, buter des mobs et tout, de ce que j'ai compris. Enfin, t'as un parcours en fait. Et on doit jouer à combien? Ça, il m'a pas dit. Je pense que. Il a dit qu'on pouvait tous jouer. Ouais, je comprends. Et on est obligé de tous jouer ou pas? Non, je pense pas. Non, t'es pas obligé. Toi, tu veux pas jouer? Non, je sais pas, je suis surtout pour voir si c'est rentable qu'on joue tous en fait. Je pense qu'en vrai, si on le win, on gagne beaucoup, mais. En fait, on gagne du temps surtout, mais. Ouais. Oui, ça diminue notre temps global, je crois. Vous avez grave avancé par contre. T'as vu? Là, faut former de la pumpkin si tu veux. Ok, vas-y, je vais. Là, de toute façon, là, je suis là jusqu'à ce soir, donc je vais. Il nous manque exactement. Je vais te dire 495 pumpkins. Voilà. C'est ce qui nous ralentit là. Ok. Bon, c'est ce qui nous bloque pour monter la ferme. Attends. C'est plus exactement ça le chiffre. Non, mais en gros, il manque ça pour la ferme et après on peut passer à l'âge suivant en fait, donc on est bien. Pumpkin, il y en a en bas ça, j'ai cru voir. Ouais, 452. Ben, 452 pumpkins, il nous faut. Voilà. Ok. Tu veux que je creuse un truc en dessous pour en replanter ou. À la limite, c'est ce qui se paye mieux en soi, mais. À la limite, vas-y. On a pas mal de bonnes mille. Mais au pire, en vrai, vous cassez pas la tête en vrai. Enlevez du blé et mettez du truc. Hein. On enlève de la canne à sucre sinon on s'en bat les couilles. On plantera des trucs après, tu vois. Vas-y, on bouge la canne à sucre. Putain, faut faire rapidement, mettez de la bonne mille et c'est vite vu. Hein. Non, j'ai beaucoup de bonnes mille moi donc ça va. Ah, voilà, nickel. Il a la méthode. Ouais, la vache. C'est quoi ce bruit là qui tape en permanence? C'est l'amélioration qui fait ça? Ouais. Okay. Mmh, c'est meilleur là. Okay. C'est quoi déjà? Ah, c'est enchantement. C'est enchantement, ouais. Ah, mais ça va beaucoup vite comme ça en fait, j'ai capté. Ah, mais maintenant faut. Ah, frérot, on a les strats ici. Alors attends, il faut qu'on mette. Faut de la dirt. Ici. Ouais, faut de la dirt. Comme ça, c'est Lucio qui a, je crois. Moi, je plante derrière toi. J'en ai pas beaucoup de la dirt, ouais. J'ai une pumpkin seeds là, donc c'est pas. On est beaucoup sur moi, c'est ça. Alors attends.
Là, on va pouvoir remettre. Tiens, reste ok, je fais ça. Ok. Ah, il y a tout ça aussi qui est là, ouais. Bon, je vais juste chercher un truc à manger, j'arrive. Hein. Vas-y. J'arrive pas à savoir si on est bien ou pas en vrai. On est pas mal. Hein. Je pense, pas, hein. Bah en termes d'âge, on est bien. Hein. Ouais, mais bon, en fait, on peut pas être moins bien que les autres vu que le Nether ouvre en même temps que tout le monde. Mais non. Ouais, 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 non, mais d'accord. Tout le monde mais a attendu juste... les mêmes. Ah, ouais, mais ils ont pré-shot les trucs, tu vois. Bah, comme nous en soi. Hein. Oui, ouais, mais nous beaucoup moins. Hein. Bah, il nous manque juste le pumpkin, mais le pumpkin. Je jure, mec, tout le monde était 10 à jouer, on était 2, frérot. Merde. Je pense rien qu'on a pas eu beaucoup de temps là-dessus. Bon, ouais, pas grave. Tu penses qu'on est quoi? Qu'on est à la bourre? Ça dépend, oui. Par rapport à qui quoi, mais je pense qu'on est bien à la bourre quand même. Je pense qu'on est genre 4ème. Si on est top 6, c'est pas mal. Ouais, voilà, je pense qu'on est 4ème, 5ème. Ah ouais? Ouais, au moins, ouais. Ah, mais vraiment, hier le soir, tout le monde est connecté quoi. Oui. Et on était vraiment la team où on était moins. De loin. Amélioration terminée. À voir, ouais, je sais pas. Bon, en vrai, on part bien, tu vois, donc ça rattrape quand même pas mal de temps, je pense, mais. Bon, ah, ok, ça donne tout ça. Et y'a un coffre où les mettre les pumpkins ou... Tu les mets dans les coffres d'amélioration directement, tu les mets dans les coffres à côté là, y'en a un, je sais plus où. En dessous je crois. En dessous j'en ai pas vu de pumpkin dedans, c'est pour ça. Ah là attends, là y'en a 5. Pardon. Ah là j'en ai là. Ah oui y'en a plein là. Attends, tu sais quoi, je les centralise. Ah bah non, bah ça va, tiens ça. Ok. Bonjour. Et il en reste... C'est où qu'on voit là les pumpkins qui nous restent? Tu vas sur le PNJ. Le PNJ, bah, ouais, sur le PNJ, farm, ouais. Et c'est là. Ouais, c'est ça, ok. 513 sur 960. Ok. Ok, ouais, bah faut faire des champs. Ouais, bah là on bombarde. Hop. Il reste de la dirt là. T'en mets à côté, Lucio? Il faut en mettre sur ce bloc là. Non, mais là j'ai que de la terre. Moi. C'était pour t'aider à mettre de la terre. Mais... Attends, je vais prendre un. Est-ce que j'étais. Je vais prendre une houe. Je vais te faire ça. Putain, je me mute un petit peu pour rester un peu avec vous. J'aime pas vous abandonner, vous savez. Donc on va faire ça du coup. On va les aider à faire ça. Je pense honnêtement que on est plus haut que ce qu'ils pensent. Après peut-être je me trompe, mais pour moi on est plus. Comment j'ai des pumpkins? Bah, il faut que j'aille prendre en fait. Je pense qu'on est plus haut que ce qu'ils imaginent en fait. Je pense honnêtement qu'on est pas trop mal. On verra. Mais je pense qu'on est bien, hein, parce que vraiment ils ont fait beaucoup de trucs. On est déjà bien avancé dans les âges. Je dis pas forcément qu'on va win, hein. Mais en tout cas, ouais, ils sont déjà. Bah en fait, déjà hier soir, on avait bien avancé déjà hier soir. Donc ça a aidé quoi. Hop. Ça. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait des trucs comme ça. Hop. J'aimerais bien participer à l'event, j'avoue. On va voir. On va pas tarder. Hop. Ça refait 45 du coup. Ah! Merde. Donc là il met combien lui à chaque fois d'espace? Il met un espace entre chaque. Donc là je peux faire ça comme ça. Attends, je vais enlever ça. Hop là. Ouais, c'est le mieux à faire, hein. Pour accélérer Pumpkin, vaut mieux faire des champs dans tous les sens. Hein. Hop. Attends, je vais mettre dans ce sens-là, comme ça je vais pas te gêner. Hop. Voilà. Si je te disais qu'hier, j'irais moralement un décès, plus une plainte, plus un oubli de clé. Putain, la vache, Foxy. Ah, toi, t'es... Ouais. Bah, écoute, déjà, mes condoléances pour commencer. Mais ouais, bah, pas... y a des jours comme ça où malheureusement, t'as l'impression que tout s'acharne quoi. Ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça. Enfin, pas forcément que des.
pas forcément des trucs aussi graves, tu vois, mais où t'as l'impression que ça s'arrête pas, quoi. Et ouais, je connais ça, je connais ça. Des fois, t'as des trucs comme ça, tu sais, sans aller jusqu'à des trucs si extrêmes, mais... Des fois, t'as des trucs, je sais pas ce que vous en pensez, où tu sais, tu commences... Je sais pas, genre, tu te lèves, tu te sers du café, genre tu renverses à côté, des trucs, tu sais, t'es en mode, des petits signes en mode, oh putain, genre... Moi, en tout cas, pour moi, genre, je les vois à chaque fois comme des signes en mode, oh putain, ça va, cette journée, elle va me saouler. Genre, tu sais, t'as des trucs comme ça qui, perso, à chaque fois, je suis en mode, oh, vas-y, ça va me saouler aujourd'hui. Des petits trucs, genre... Je sais pas, genre, là, tu te sers ton café, ça coule à côté, ton chat y vomit, tu sais, des petits trucs comme ça, genre, t'es en mode, oh, ça va être chiant. Et, ouais. Des fois, c'est l'accumulation de petits trucs. Bah oui, parce qu'en fait, des fois, t'as des trucs, c'est pas grave, tu vois. Mais l'accumulation de ces petits trucs, t'es en mode, je vais péter, quoi. Je me suis trompé dans les champs. Bah moi, j'ai fait comme lui, là. Ah, mais là, il avait laissé plus. Ah, merde. Ouais, je me suis planté, là. Merde. Oui, là, ça poussera pas. Ça pousse pas, là, c'est normal. Du coup, j'ai gâché la pumpkin. Je suis planté, là, ouais, putain. Quelle merde. Ok, très bien. Plus simple. Ouais, sinon, là, ça poussera pas. Où est le renard, là? Oh, bon, c'est une espèce de monture, donc c'est good. Ok. Vas-y, on va récupérer. Mais franchement, le concept du truc est bien, quoi. Alors, c'est, ça a pas le nom, machin, l'aura d'une cité, tout ça, genre, ok, mais je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Donc, ouais. Une journée, tu te dis, j'aurais dû rester couché. Ah, franchement, il y a des jours, je me dis ça, ouais. Des fois, il y a des jours, je me dis, putain, mais vraiment, mais genre... Mais fait chier, quoi. Il y a des jours, je me dis vraiment ça, ouais. Ça a pu m'arriver. Je sais pas le pied. Bah déjà mon truc en Belgique là, moi tu sais ça fait partie de ce genre de truc en mode putain ça s'arrête quand quoi, tu sais tu crois que t'es sorti et tu crois que c'est fini et là bam ça reprend, t'es en mode putain au secours quoi. Y a des eaux encore ici ou pas? Y a des eaux. Attends je vais regarder s'il y en a pas d'autres. Si vous voyez des os dans un coffre, vous me dites. Des os ou de la bonne mille. Hop. Et si je dis pas de conneries, il y a des coffres là-haut aussi, ouais. Entrepôt. Donc y'a rien là-dedans? Si. Ferme. Putain, ils ont trié de ouf. Hein. Bon, c'est pas grave, on a déjà pas trop mal. On a déjà pas mal, on va aller faire pousser ça. Ah, il a déjà tout mis. Non, il a pas tout mis ça. Putain, j'arrive pas là. C'est abominable. C'est abominable. C'est abominable, ce truc à viser. T'es mal à hitbox du truc. C'est bon. Là, j'ai le bon rythme. Ok. Hop. Là, je pense que là, ça va commencer à bien produire, là. Là, je pense qu'on a bien fait de proposer d'agrandir, là. Pas trop mal. Ah, c'est good. Ok, c'est good. Allez. Richard. Oh, d'ailleurs, oh, Julien. Ouais. Tu m'as appelé. Il y a Quatox, frère. Oui, j'y vais. Tu viens de Quatox? Ah, sûr, il est dans le chat. Dans mon chat, il est là? Ouais. Ok.
Pourquoi il est déjà frais, il a repris CS et tout, il m'a demandé ton rank, mais je sais pas ce que je sais pas quoi lui dire. Vas-y, global la débit. C'est depuis Quatox. Ah ouais. Bah, je sais pas, il m'a dit. Après, c'est sympa à voir. C'est pas ouf, mais genre en mode global hit. Pardon, répète un peu ce que tu viens de dire. Ouais, il parlait ici. Pourquoi une ferme à citrouille ? Pourquoi une ferme à citrouille ? Parce que dans les améliorations qu'il faut dont on a besoin pour passer à l'âge suivant, on a besoin de citrouilles. On a besoin de collecter plein de trucs, dont des citrouilles. Donc voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi les citrouilles. On va planter encore un peu, je pense. Je pense, en vrai, il y avait besoin de 400 citrouilles. Ça peut paraître énorme, 400 citrouilles, mais en vrai, avec une production comme ça, je pense dans une heure, on les a, non? Genre, après l'event, on les a, non? Vous pensez pas? C'est pas grave. Attends. On prend encore un peu de... Merde. Ok. Ça. Ah, ça a pas poussé. Ok. Merde. On va y arriver. Je pense. 400 citrouilles, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai. Enfin, c'est beaucoup. Mais en même temps. Bah c'est beaucoup 400, ouais c'est beaucoup mais en vrai, regarde, une ligne comme ça t'en as 40, ça produit très très vite hein. Qu'en vrai, je sais pas, moi je trouve que, et encore là j'engage beaucoup hein, des citrouilles à faire ça, hein, mais... Ah il en a mis, ok, je vais mettre la bonne mille. C'est une galère à placer ce truc. Non là il peut pas là. Non Lucio il peut pas. Attends je vais dire. Lucio tu peux là t'es sûr ça va pousser? Bah non en fait là ça pousse pas. En fait comment expliquer? Il faut séparer tout le temps avoir deux trucs de terre, un truc ouais. De plantation, deux trucs de terre, de l'eau. C'est pour ça. Et ainsi de suite. Ouais, vous faites quoi là les gars? Les citrouilles. Ouais. Et c'est pour ça que je parle ici, là, ça va pas pousser là où je suis. En vrai, on va être bon là, oui, je pense que ça va parler. Ouais. En fait, ouais. Je pense que là, c'est pas mal, ouais. Après, faut attendre un peu, ça va arriver. Ouais, il faut juste. Je pense que là. Dans une heure, on les a, je pense. Ouais, même pas. Moi, dans 15 minutes, je vais te mettre là. Ouais, je pense. Il en faut quoi, 300? Il faudrait commencer à prendre les ressources pour le truc d'après. Ouais, limite. Femme 4. Des pumpkins. Vous êtes tous des pumpkins, frère. Non, mais c'est trop chiant. Non, dis pas ça, BG. On aura double prod sur une blink, c'est pas très optime, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bon. Hop. Hop. Et toi, Marwan, tu fais quoi? Nether Ward Block. On a combien là? Presque 10 stacks. Ah non, j'en ai déjà 11. Ça va. Sur 15, je crois, ou je sais pas. Bonjour. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait. On a eu d'autres têtes de Wizard ou pas? Bon, moi je sais pas, j'ai pas encore ma looting, j'essaie de faire en même temps. Mais c'est bon le Wizard. On a déjà fait le Wizard. On a déjà fait le Wizard. Vous avez déjà fait le Wizard. Okay, ouais. Nice. Il fallait des trappes d'or de sapin. Ne me dis pas, t'as fait le thing de salope, Bicha. Des barreaux de feu, des iron bars. Ouais. Mec, 512 iron bars. La banque, faut plus le faire. De quoi? On est parti sous la terre. La banque, ouais. Je fais pas la banque. Vous l'avez poula. On l'a fait spawn dans un carré de 8 par 8. On l'a poula. Ouais. 8. On l'a poula, mec. On est allé avec notre bite et notre couteau, on est allé à l'épée. Directement, hop. On a une perte, hein. On a une perte. Hein. Qui ça? Ah bah je dirais pas, mais la personne qui est décédée... Dehors? Non, c'est moi quoi. Ah, il nous manque 200 citrouilles, hein. Ça va, c'est bon, on est quasi bon. Ouais, il manque rien. Ça va augmenter, ouais. Après, dès qu'on a monté ça, on peut monter en âge industriel, ça c'est bien. Ouais. Et après, j'ai vu, faudra des... Ah, je me rends pas compte si on est bien, je trouve on est pas si bien que ça. Hein. Ah, je pense, hein. En fait, je sais pas, ouais, je me dis, on est trop... Enfin, je sais pas, ça a l'air rapide, du moment... Thomas, la team Stonk, ils sont les 10, ils sont chauds, frère. Non, mais c'est les derniers âges, je pense, qui vont être super longs. Ah, ça, c'est vrai. C'est quoi Chrismon Stem? C'est les champis du Nether, non? C'est pas ça? Ouais. Chrismon.
J'ai déjà commencé à pré-shot ce qu'il faudra monter pour l'âge d'après. Ouais, limite, c'est ça en fait. Moi, je suis en train de faire en ça. Fait, je suis en train de faire genre, ça. Je fais quoi, la risque une personne fait un bâtiment. Bah là, je vais aller faire. C'est quoi, moi, je vais aller faire. Un stack de il y a 15 stacks de Netherrack à ramener, je vais aller faire ça. Ah non, mais je peux le faire ça si tu veux. Non mais fais tes blocs et moi je vais faire ça. Sinon faudrait, blocs, bon, ou sinon faudrait faut regarder. Il faut de la netherite aussi donc je vais faire la netherite au même moment. Non, c'est pas une personne par bâtiment qu'il faut faire. C'est ouais, faudrait en fait faudrait toutes les personnes pour une un personne. Bâtiment. Ah bon, mais non. Surtout plutôt regarder en fait, c'est par exemple genre combien il faut d'un item en fait au total jusqu'à la fin de la partie. Et non, parce qu'après ça il y a le temps de construction, les frères. Du coup, pendant que ça construit, si on finit tous en même temps un seul bâtiment, on va être baisé genre. S'il vous plaît, ceci est un whisper de type international. Et oui, il est l'heure de passer au Rail Run, le premier des deux mini-jeux qui était à partir de 14h30. On a du coup tiré les équipes pour organiser les matchs. Donc vous aurez toutes les équipes de matchs à jouer. Et grosso modo, ce qu'on a fait, c'est pour que tout le monde puisse passer au moins une fois, si jamais les équipes de 10 veulent toutes jouer. On fera un match avec 5 joueurs d'une équipe et 5 matchs avec les autres 5 ou les mêmes joueurs. Grosso modo, eh bien, au total, il nous faut 10 joueurs, vous vous démerdez. Et voilà. Oh, chaque match, c'est entre 2 et 5 joueurs. Donc si jamais des équipes n'ont pas la possibilité de jouer à 5 et veulent jouer à moins nombreux, c'est possible aussi. Ça sera peut-être un peu plus difficile de gagner, mais au moins, vous ferez le mini-jeu. Ok, les arbitres passeront pour vous expliquer un peu plus clairement, mais grosso modo, définissez qui seront les 5 premiers à passer dans cette première manche. Ok, le but du jeu, du Rail Run, il est assez simple. Vous avez une locomotive, vous avez un point A, et il faut amener cette locomotive au point B. Il n'y a pas de rails sur la map, et l'idée c'est d'en poser. Et pour avoir des rails, que ce soit des rails normaux ou des powered rails hein, qui permettent d'aller plus vite, il faut casser les bûches et casser les roches qui se trouvent sur votre chemin afin de créer un chemin, et l'équipe qui le plus rapidement amènera sa locomotive jusqu'au point B, donc de A à B, gagne, et vous gagnerez des statistiques. Il faut savoir que nous on surveille pas mal les statistiques globales de tout l'événement et ce qui manque à la plupart des joueurs, et les statistiques vous seront distribuées plus tard. Donc évidemment, en fonction de si vous faites une victoire, deux victoires, deux défaites, une défaite, vous aurez plus ou moins de statistiques, d'accord. Vous n'avez pas besoin de poser votre stuff, etc. Les inventaires ne sont pas reliés avec ce serveur-là, le chat si. Mais voilà, vous en faites pas, tout ça, ça va être géré. Les arbitres vont venir s'occuper de vous et vous envoyer vers le serveur de mini-jeux lorsque vous aurez sélectionné vos joueurs pour faire vos premiers matchs. Et c'est donc le seul moment, à part mis à part sur le lobby, que vous allez pouvoir croiser d'autres équipes. Merci de rester sympathique, ça serait con de faire l'inverse. Allez, la bise. Et bon jeu à vous, ça va prendre voilà, quelques minutes. Hein. Une game, c'est maximum 10 minutes la game. Sachant qu'on n'arrive jamais aux 10 minutes. C'est max 10 minutes. Du coup, ça veut dire que si vous passez deux fois, ben, ça sera max 20 minutes. Voilà, merci à tous. La bise. Ouais, c'est carré. Ouais, ça va. Voilà. J'aurais préféré demander pour les stuffs. Je me suis dit, t'imagines, toi t'arrives avec un truc en fer et t'as l'autre en face, il a sa pioche en netherite. Il va aller 10 fois plus vite que toi. Qui veut pas jouer? Tu veux pas jouer plutôt? C'est carré hein, quand même. Hein. Bah non, ça joue pas chaud ça. Moi j'ai bien envie de tester en vrai. Pareil, moi aussi, tout ce qui est posé derrière ça me plaît. Voilà, j'adore les trains. Tout ce qui est locomotive, tout ça, j'aime bien. Moi je m'en fous un peu. Ah, de ça, de toute façon, on peut jouer, mais si vous voulez, s'il y a d'autres qui veulent jouer. En soi, on est 8, on fait première manche 4 personnes et deuxième manche 4 autres personnes. Non, mais non, on fait 5 et 5. On veut jouer. Bah ouais, tu fais 5 matchs à 4 là. Mais il y en a 15 matchs à 5. Prends des balles là. Pourquoi ? Il faut pas 5 et 5 parce que Guillaume n'est pas là. Je parie que Marwan n'a rien compris. Mais il y a 5 et 5, il y a des gens qui pourquoi et l'autre il a répondu parce qu'il est con. Putain. Je mangeais tranquille. C'est pas plus qui m'a baisé. Je prends les citrouilles en attendant. Non, on gêne pas les machins. T'es enculé. Mais quoi ? Ça, j'ai rien compris, juste même. User join your channel. Et même ici, c'est pas possible. Il a traité les mines de user. Putain, t'es un bâtard, Julien. Je viens vous voir pour le mini-jeu. Ouais, bonjour. Oui. Ouais. C'est pas l'admin, c'est l'arbitre. L'admin, et c'est pas un user. Oui. Qui veut participer chez vous? Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Il m'en faut 5 pour la première manche. Moi. Alors, par contre, il me faudrait des pseudos. Y'a qui veut pas y aller la première? Ouais. Tu peux y aller en premier aussi. Moi, je veux bien y aller en premier, vas-y. Moi, aussi. Moi, je veux bien. Vas-y, je vais la première que la deuxième. La deuxième, si vous voulez, je vous laisse ma place. Pareil. Bah du coup on prend quoi? On prend Sif, on prend Augusto, Marwan, toi et un dernier. Donc Sifano c'est ça? Ouais. Sifano, je suis chaud.
Ah, mais Pumpkin. C'est stylé. On est TP. Ouais, c'est beau. Marwan Dude. MXR. WZN. Marwan. Comment il écrit son pseudo? Attends, je parle dans le chat. Je peux voir les. Dans le chat. Toujours le même qui pose problème. Enfin bref. Alors attendez, comment vous avez dit? Non, moi je ne pas toi. MXR WZN. D'accord, ok, je l'ai. Hop. Ensuite, j'en ai deux. Reste un PRE et un PRE. Ouais. Risto et Bichard. Ok. Stylé, j'aime bien. Risto. Avec Duo. C'est ça, et Bichard. Ouais, mais c'est voilà. De quoi avec ça? On remet, okay. On remet la win. Je vais aller chercher l'autre équipe. Cap, frère, cap, et je reviens vers vous quand. C'est qui l'autre équipe? L'autre équipe, c'est les barbus. Okay. Oh, barbus! Il faut leur mettre la misère là. Voilà, ouais, c'est bon. Juste parce qu'ils ont trop parlé dans le chat. Ça y est, je juste parce qu'ils ont trop parlé, ouais. On va les éteindre. Allez. A tout à l'heure. A toutes. Que tu veux. Ah non, me dis pas, ça va être ça la map. Alors, de mémoire, c'est. Faut bien se répartir les tâches quand même sur ce mode de jeu. Ok. Moi, je fais des mobs. Parce que il me semble, genre, faut farmer par exemple, genre du bois et. Ah bah là, c'est ça, ouais. Comment on craft des rails? Craft rail. Mais je sais pas si. Non, je crois que ça drop directement. Non, je crois que les. En fait, les blocs vont te les drop, je crois. En fait, genre, tu dois miner du bois et d'autres ressources, et en fait, quand t'as assez, ça va te crafter. Regarde, au pire, lance en 2 spi, Eri. C'est si faire un stream, je crois. Eri, lance en 2 spi un stream si tu veux. Tu regardes la map, en gros, c'est vraiment. Ouais, t'as des petits monticules de montagne et des bûches, quoi. Un peu partout. Du coup, faut en fait, de toute façon, ils vont expliquer les règles avant. Ouais, ouais. On va aller sur stream dans le nouveau coin. Et en fait, le but, c'est que aussi, vous devez. En fait, je crois. Enfin, du coup, d'aller à un point A, un point B, mais en fait, il y a des chemins qui sont plus stratégiques. Voilà, quoi. Ça a l'air d'aller tout droit. En fait, faut essayer d'analyser déjà. C'est où le point A et le point B possible. Je dirais que c'est là. Et là où vous allez spawn, je pense. On peut pas aller au bout, en fait. On est bloqué par un mur, on peut pas aller au bout. Mais du coup, faut se dire que. Si, on peut y aller. Faut aller le plus loin possible. En fait, normalement, il doit y avoir un endroit où il doit y avoir un rail. Ça va très tout droit là. En fait, ouais, il va falloir. En fait, faut tracer le meilleur spot. Parce que. Bah, ce qui peut être intéressant. Je pense que vous pouvez pas passer en fait. Non, je crois pas. Mais ce qui peut être intéressant, tu vois, c'est que. Pour moi, tu peux passer que sur la zone où c'est plat. Attends, ça dure 10 minutes max. Ouais, je crois. Mais non, mais tu vois, regarde typiquement là ce qu'on peut faire vu qu'on pourrait péter les blocs. Faut casser la stone, casser les arbres et tout qui sont sur le trajet ou faites une ligne droite. Ouais, c'est ça, tu fais une ligne, tu fais une ligne droite et quand tu prends des matériaux. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est quand tu prends des matériaux, en fait, tu prends déjà. Sur le chemin, ouais. Ouais, sur ton chemin. Essayez de voir, est-ce qu'il y a une ligne de. Ah, bah en vrai là entre les deux là et puis là tu pars tout droit. Une où il y a pas besoin de faire de trajet où il y a du en bleu fait, là, c'est les seuls endroits où on peut rien faire, genre on est ouais. Obligé de les contourner. En fait, tu peux même bien qu'ils terraforment. On fait pas le malin. En fait, c'est ici qu'il faut aller. Il y en a qui se répartissent les tâches, genre il y en a qui font le chemin et d'autres qui récupèrent les rails pour faire avancer. Moi je vais terraformer, je pense. Je vais terraformer. Moi aussi je terraforme en vrai. Oh merde. Oh merde. Me revoilà. Et en vrai, vous avez pas besoin de mettre. C'est l'arbitre, oui, vous êtes pas sur moi s'il vous plaît. Je vais redémarrer la game. C'est pas sur cette map là. Je pense que c'est pas très grave, mais dans le doute, Marwan, mon compare, ça fait ça. Il a cassé. Et si jamais, faut que c'est pas le faire avancer dans ce train, je pense. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Tout le chemin d'abord et regarde sur moi, ça va avancer le train d'un coup. J'ai pas compris la question, excuse-moi. Wesh. Il y a pas de question, je crois. Non, d'accord, j'ai cru entendre une question. Ah non, il y a pas de question. D'accord. Bon, bah c'est bon, je vais démarrer. Quand on pour faire les rails, c'est quand on casse les ressources, ça nous les drop. Oui. Et les les powered rails, ça nous drop la redstone et tout avec ou comment? Vous allez tout avoir. Et on peut tout casser ou il y a mais des blocs? Il faut les crafts, ça nous les drop. Vous pouvez casser la roche et le bois. Ok. Ok. Mais on a rien, on n'a pas besoin de craft. D'accord. Non, vous allez tout avoir. Enfin, vous allez tout avoir. Ok. Du coup, qui casse et qui fait le chemin? Moi je casse. Attends, mais si, non, mais si la chute se cachait, j'ai trouvé un terrain grave. Enfin, j'ai trouvé un chemin en fait, grave au-dessus. Faut que tout le monde casse en fait des choses. Ouais, moi en fait, je casse. Moi, un mec qui... De toute façon, il y en a qu'un qui a besoin de poser les rails. De toute façon, c'est lui qui les aura en main. Mais regardez. En vrai, au lieu de. Parce que je pense que. C'est... Si on peut tout casser. Ah, si jamais. Je pense que le train. Je pense que le train, c'est un wagon. Du coup, essayez de placer d'abord tous les rails avant de le faire avancer. Comment ça? Ah oui, putain, d'accord, je vois le truc. Parce que sinon il va dérailler en fait. C'est quoi? Ouais, c'est un wagon, c'est un wagon. Ouais, j'ai des rails par contre là, effectivement. J'ai trouvé le chemin donc, le petit, premier degré. Donc vraiment, en fait, sur un bloc ou pas? Non, non, c'est pas sur. Mettez tous les rails, mais ne faites pas avancer le train. Je crois que j'ai vraiment trouvé le chemin le plus petit. C'est sur un bloc. Je demande, je demande. Mettre à peu près tous les 5-6 blocs, à peu près.
Après, je crois que les Power Red Rise, il doit y avoir une limite, je pense. Les Power Red Rise, c'est les, c'est les bûches qui les donnent. C'est combien de hauteur le train ou pas? J'étais, tu sais ou pas? Je sais pas, j'ai demandé, mais il a pas répondu. Parce que moi, je crois qu'il y a un mec qui établit ce. Mais pour moi, c'est juste un minecart qui a une texture. Ah, c'est juste un minecart qui a une texture. Je pense que j'ai vraiment trouvé un chemin grave opti, en mode on longe toute la gauche, toute la droite de la map. Ouais, mais on est à gauche. Siphano? Ouais. Quand tu demandes, c'est sur un bloc, c'est le. Bah, c'est à dire que là, typiquement, en fait, on peut. C'est un main carte en fait, ça marche. Ouais, c'est un main carte, c'est juste la texture. Ok, bah c'est bon, donc c'est sur un bloc, ouais. Ok. Du coup, le faites pas avancer directement, mais mettez tout le chemin comme ça, parce que s'il déraille. Je suis tiens, fais certains ton chemin. Je suis en train de d'aller jusqu'au bout, moi. Fais certains ton chemin. Pour l'instant, je suis ce qu'a fait Bichard devant, là, ouais. En vrai, si quelqu'un va aider Risto en partant par la fin, comme ça, ça répartit un peu le. En fait, j'ai tout. Ouais, peut-être partez par la fin, ouais, je pense. Je vais l'aider. Non mais il y a deux personnes qui font deux à l'avant et deux à l'arrière, il y en a un qui place les blocs ou qui tourne quoi. Ah ouais non c'est ça. Et après une fois que vous avez fait tout le chemin, vous lancez une carte comme ça, il n'y a pas de problème qui déraille. C'est ça. Après il faut juste mettre plus de queue là. Hein. Si il déraille c'est chiant. C'est rapide en vrai. Hein. Bah ouais mais pour le remettre sur les rails c'est un peu chiant je pense. Hop. Ok, vas-y bah, j'arrive. J'ai vu quasiment tout passer ici, on est d'accord. Ah c'est bloqué là. Moi je vois pas, je signe de siffler. Vous pouvez pas passer par l'eau ouais. Ça, vous avez déjà fait. Faites la fin, cassez pour la fin. Ouais, faites la fin, là je prends les blocs pour finir. Et de notre, le début. Christophe, faut faire le gauche-droite, on peut pas passer à droite. Passe le gauche-droite là. Le gauche-droite ici. Vas-y, avance. Okay. À gauche et à droite. Vas-y. Casse des bûches, ouais, t'inquiète pas. Tu me dis, Marwan, quand t'as plus de blocs, j'en ai là. Mettez des power-rats toutes les X. Ouais, tous les 5-6 blocs à peu près. C'est bon, c'est bon, ça. Ah les power-rats c'est le bois, ok. Au pire vas-y, Marwan mets les... Ah vas-y vas-y. Ah vous voulez que je commence à faire avancer power-rats c'est bois et... Non, non, attends encore un peu. C'est bon on arrive là, on se rejoint. Une fois que c'est rejoint vous pouvez y aller. Ouais. Là, bah, là ils sont en mode... Ouais ils avancent pas leur train et... C'est bon là c'est rejoint complètement ou j'ai rejoint un chemin regarde s'ils ont fait la fin eux. Vous avez fait est-ce la fin. Est-ce que tout est relié? J'suis en train. Ils sont en train, Ok vas-y, envoie. Envoie-le. Tant qu'il fasse le trajet ça va. Vas-y envoie-le. Vas-y. Envoie le rail. Vas-y. Envoie les gars, attendez. Restez pas sur les... Mets tous tes powerhead, Ristam. Ouais, mettez les powerhead que vous avez. Ouais, essayez de mettre un max de powerhead. Il fait quoi? Essaye de le faire déséquilibrer mais... Pousse-le. Il avance. C'est un powerhead et après il avancera. Bon du coup, faut focus... Pour le prochain truc, faut focus sur quoi? On allait vite là. Il arrive ou pas là? Attends, fais gaffe, Bichard, fais gaffe. Que tu... Là, faut juste que tu le pousses jusqu'au bois raid pour qu'il. Moi, j'ai tellement de rails encore en rab. Attends. Ouais, faut focus plus le bois, je pense. Ils vont bientôt finir, vite. Faut vraiment après, il a assez. Tu les vois, Bichard? Je peux pas aller dessus, frère, ça y est. Attends, Marwan, j'arrive. Ça avance pas? Il a bien reculé leur truc quand même. T'es mal? Il a fait dérailler. Comment t'as déraillé? Il est même pas rentré dessus, frère. Ah, mais il faut rentrer. Comment t'as fait? Ah, mais bon. Attends. Bon, les gars. Vas-y bah fais-le frère. What the fuck. Ah oui attendez. Allez-y poussez-le. C'est bon, il avance. C'est bon, touche à rien, normalement c'est bon, c'est en route. Écartez-vous des rails. Vas-y. Allez. Bichard, écarte-toi, tu vas bloquer. Oh non. Moi je me sens bloqué avec les blocs là. Ça se joue un peu hein. Mais pourquoi vous les voyez les autres? Je les vois pas moi. En fait regarde sur la bande, tu vois la distance. Il faut gagner. Ah non, on est devant. On est les rouges. Mais vous les voyez où? Regarde à droite sur le scoreboard. Et c'est à distance les blocs. GG! Bien joué! Incroyable! J'aime trop! Faites un serveur, faites ce jeu, please. Trop bien. On aura pu être du coup, pour les prochains, faut beaucoup plus focus le bois, je pense. Ouais, le bois. Le chemin est pas mal, je pense. En fait, je pense qu'il y a deux personnes sur le bois, une personne qui est à l'arrière et une personne à l'avant. Et deux personnes qui font. Ah, j'ai fait le bois très vite aussi, ouais. En faisant une aussi à l'arrière et une à l'avant. Une personne qui. Moi, je pense qu'on s'en fout d'avoir plus de power drive, honnêtement, je vous le dis. Ah ouais? En fait, tant que t'en as juste à peu ça près. Fait pas, en vrai, là, il y en avait un tous les 5-6 blocs, ça allait. Tout c'est d'avoir juste le chemin plus rapidement que les autres. C'est juste ça. Oui, c'est ça. Je pense que notre chemin était pas mal en vrai. En fait, faut qu'il y ait une personne qui dégage le chemin et les c'est ce qu'on a fait. Deux rails de deux qui font le haut et le bas. Ouais, je suis d'accord. J'ai trop aimé aussi, mec. C'était trop drôle. Oui, bon, c'est 60 à derrière. Là, je vous ai marqué gagnant. Comme ça a été dit, on vous donnera les points plus tard. Il y a la deuxième game qui sera là d'ici sûrement une vingtaine de minutes, je sais pas exactement. Ok. Okay. Attends que toutes les premières se finissent et qu'on lance la deuxième.
Ok. Ça roule. Merci. Voilà. Ok, ok. C'est stylé, hein. C'était stylé. J'avoue, c'est stylé. Mais c'est pour ça que ça dure 2 heures en fait, c'est le temps de faire passer tout le monde. On va finir en 3 minutes. En plus, on a gagné. Eh, attends, 2 secondes, 2 secondes. On a fait 4 minutes 30, non? En vrai, de vrai. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut pas passer au-dessus avec les Powerade? Non, tu peux pas. Non, non, non. Vraiment, tu restes au sol. Mais moi, quand j'étais dans les Powerade, j'ai l'impression que ça boostait pas beaucoup. Je sais pas. Non, ça dépend. Une certaine vitesse, en fait, une fois que t'as atteint une certaine vitesse avec les Powerade, c'est. Elle a juste pas bougé ma speed. Ouais, non, c'est là, ça bloque. En fait, c'est. En fait, si t'as pas une régu en fait de Powerhead, en fait, tu baisses en vitesse. Mais je pense qu'on a miné beaucoup trop de rails. En fait, il faudrait savoir combien de rails on a besoin. C'est écrit au début ? Non, non. Non, mais attends, attends, je peux compter vite avant qu'on se fasse TP. Il y avait 300 de distance à peu près. Il y avait 300 de distance. Attends, 300 ça fait 5 stacks. Mais après, c'est 300, je pense, en ligne droite, entre guillemets. Bah attends, c'est quoi les codes du spawn, Bichard ? Justement, je vais décoder de l'autre côté. Là, je suis en 0, moins 250. Okay. Je vais te dire l'écho de l'autre côté, j'y cours. Sur longueur, on rajoute un petit peu. Les power, c'est tous les 9 optimisés. Ah ouais? Ok. Venez, on va les compter, je vais tout casser. Ouais, donc y a pas besoin bon, après, si on les met pas tous les 9, c'est pas grave. Hein. Et l'autre côté, c'est en 27 moins 467. Après, faut prendre en compte que ça tourne. Ouais, donc c'est à peu près 300. Ça fait 300 blocs. 300, donc ça fait 5 stacks. Ça fait 1 stack chacun, c'est rien. Hein. Ouais, bon, j'arrête de les compter. J'étais en train de les compter un par un. Ouais, en vrai, ça va. Après ça va vite, un stack chacun déjà rien que la personne. En fait un stack de cobble chacun, un stack de cobble chacun. Ouais, c'est globalement ça. C'est ça, et puis tu fais partir certains du fond pour faire le chemin. On fait le même chemin et c'est bon. Et un mec qui casse le chemin au milieu. Mais ouais, en fait, rien que le mec qui creuse en fait pour le chemin, en fait il va être ultra bien en bloc. Hein. Enfin, en rail. Oui, c'est ça, oui. En fait c'est ce qui s'est passé, mais Bichard t'as commencé à creuser et du coup vu que tu faisais le chemin, j'ai pris des bûches sur les côtés en attendant quoi. Et du coup après j'ai alimenté, j'ai pété certains trucs, j'ai mis des rails à la place. Non mais on est trop fort, c'est on a bien géré. La bonne strat. Il y a plus d'opsi, c'est sûr. Hein, mais bon. Et ouais, en vrai, on a perdu, les mecs, on a perdu une bonne minute quasiment à faire partir le rail. Je voulais tester. Ouais, c'est que en fait, là où il était, il devait pas y avoir de. Oui, rail, c'est ça. En fait, mais du coup, tu vois, genre en vrai. Caché, on fait le bloc, je pense. Bonjour. On en est où là des citrouilles? Ok. Bon, il reste 100 citrouilles, je vais les finir. Ah bah, j'ai. Attends, c'est bon, je les ai, les 100 citrouilles. Ah bah, ok. Ah bah, nickel. Ouais. Et moi je suis en train de me faire masse outils, si jamais vous avez besoin que j'enchante, je suis level 28, je fais que des allers-retours level 30. Moi il me faudrait juste une pelle et pioche F4. Nice. Oui, il faudrait une pioche F4 moi. Ok, je sais faire ça. Après faut, pour le quelqu'un à y fermer des herbes, parce qu'on en a plus assez. Hein. T'as dit que tu voulais lancer la ferme. Pour là, j'ai de Marwan, il s'est bien foutu James. Pas... Il nous manque rien du tout, c'est bon. Marwan c'est pas vrai, what the fuck. Oui, mais c'est pas fou. De toute façon, il faut par contre se mettre du full day, les gars. Évidemment, après, je sais pas casser les couilles. Il faut tous qu'on soit full day, hein, au bout d'un moment pour les vagues. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des ravageurs et des trucs du genre. Hein. Il faudra faire. Tiens, je vais attendre. Ouais. Je vais pas dire, mais en bouffe, on n'est pas si bien parce que l'amélioration coûte 17 500. Et on a 19 000. Ah ouais. Bon, après, on a pas du blé des carottes. Je sais pas si vous avez dans le coffre forge, il y a beaucoup de fer et il va y en avoir besoin pour une amélioration après. Là, bah, pour la forge, justement. Ouais. Ah non, je me suis trompé, pardon, c'est la nourriture c'est 4500. Ah, mais okay, 17 000 ouais, c'est les matériaux. 17 000. Ah, c'est les matériaux, 17 000. Nourriture, on est bien là. On est bien. Du coup, alors attends, on focus quoi maintenant? Bonjour. Attention, il va y avoir la deuxième vague maintenant. Je suis en train de comment dire de pré-shot ce qu'il y a après moi. Bah ouais, justement, tu. Attends, Resto, tu fais quoi? Tu fais l'entrepôt? C'est quoi je vais te dire tout de suite, je suis en train de faire de la durite là. Durite? Oh, force. Il faut combien de durite? Il en faut beaucoup. Ah ouais, le QG. Il faut 18 stacks de durite. Donc, moi je suis en train de faire la forge H2, pas niveau 2. Comment ça va là-bas? Moi je. Donc les blocs de redstone, c'est bon là. Il faut des lianes, 32 enclumes, donc ça va. J'ai chaîne. Des blocs de magma bloc, ah ça tu peux faire aussi au pire de Marron. Bonjour. Magma. Ah, j'ai déjà quoi magma bloc. Arrête. Y'en avait plein tout à l'heure. Y'en a combien? Y'en faut combien? 18 stacks mon pote. Merci toi, puissant requin, merci beaucoup, c'est gentil. Ça se one shot quoi. Cadeau, merci beaucoup. Y'a un truc qui est chiant à farmer, faut envoyer un beacon dessus. Hein, avec la personne qui veut farmer ça. Du bois. Ouais, le niveau 3, la bonne niveau 3. Bois, tu one shot avec Cast 2. Non, bon. Fortune la clé. Non, c'est non. Limité à 4. Ok. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut focus? Bonjour.
Après, si t'as une touch, c'est plus rapide direct. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'à chaque fois, les trucs. Donne le bloc à moins que tu farmes les briques. Les briques, hein, mais... ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà. Okay. Parce que si c'est les blocs de clés directement, c'est plus optique de faire un. Ouais, faut des briques, trappe de sapin. Les briques, je prenais faire là. Barreau de fer. Bah, en vrai, on peut prendre les blocs de fer qu'il y a là-haut, mais du coup, on les use pour autre chose. Ouais. En fait, faut que quelqu'un fasse une séance minage quoi pour du fer et tout ça. Ouais, parce qu'il faut 40 blocs. Je vais faire ça, du fer, ça, du diams pour les outils. Quelqu'un qui a fortune, ça va aller bien. Il faut vraiment prendre tout le fer parce qu'on en aura besoin pour le beacon aussi, genre. Ouais, vas-y, bah, je suis enquêté, mais Edouard, t'inquiète. Bon, j'essaye de faire les iron bars déjà pour voir. Moi, j'attends plus. Je suis enquêté, les copains. Je suis enquêté. Non, mais. Sif, t'inquiète. Je sais pas, je dépasse pour l'instant. C'est là qu'on récupère. À moins que ça soit urgent et qu'on peut construire le bâtiment d'un coup. Mais... Non, c'était pour démarrer ce bâtiment-là. Bah là, il y a deux sacs de fer, tiens, si tu veux faire les barreaux. T'es où? Vas-y, je vais faire les barreaux déjà. Le barreau de fortune en soi, je suis en cave, y'a pas de soucis. Les gars, je viens de réaliser quelque chose. En fait, on a largement de quoi faire des nourritures, on a une chance juste qu'on ait des grosses merdes et que personne ramasse. Ouais, qu'on ait juste des gros flemmards. En gros, ouais. Ah bah, j'ai les rations terminées. Tu dirais que c'est 4 000 de nourriture, bon voilà quoi. Bonjour. Ok, puis la ferme, c'est bon. Y'a un problème à ça, Julien? L'amélioration terminée, on peut lancer le. Pas de problème. Pas de problème, j'ai pas de problème ici, frère. L'air moderne. Bravo. Nice. Super, l'air moderne. Attends, le premier truc à faire, c'est que là, faut regarder combien coûte l'observatoire. Faut vraiment le rush le plus vite possible. L'observatoire. C'est le truc qui permet de. On peut, si on a rien à faire construire, on peut faire construire les statues. Bon, en désite, mais... du grès, briques du nether. C'est que granit. Donc ça va. Il faut 12 stacks de granit, 16 stacks de nether briques, 20 stacks de sandstone, 11 non, plus désite, 60. C'est granit qu'il faut. Ah non, il y a les deux, granit et andésite. Et après, ouais, andésite 11 stacks et plus 60. Andésite poly ou juste andésite? Andésite classique et granit classique. En vrai, ça va très vite. Hein. De toute façon, bah, vraiment, même, en fait, qu'elle se soit poly ou pas, ça change rien, c'est juste du craft. Et bah, tu vois, même quantité. Let's go alors, go farm ça. Parce que et c'est après, il faut 10 stacks de verre blanc, donc il faut farmer du colorant blanc. Colorant blanc, c'est quoi? Et du sable. Qui va chercher quoi, les gars? Colorant blanc, c'est nether avec les bonnes blocs. Moi j'ai déjà le sable, j'ai déjà 5 stacks de sable qui fuse. Brique du nether, il faut juste l'andésite, le granit, je vais faire du nether, c'est quoi? Hello, bonjour. Le Pierre, le frère. Bah, j'ai. Allo? Désolé de vous couper. Je viens pour savoir qui va participer en fait sur la deuxième partie. Y'a bah, ceux qui ont pas participé, c'était qui? Non, vas-y, je. Moi, je suis chaud. On va retourner. Donc, Luxio. Ah, s'il y a. Ouais, s'il reste une place, j'y vais. Sinon, allez-y. C'est bon, y'a que Luxio qui remplace Marwan ou y'a d'autres gens qui apprennent? Ouais, c'est ça. Moi, je voulais bien jouer. Dorf voulait pas jouer. Ah, bah, vas-y, Eri, prends ma place. Vas-y. Tu le. Ok, alors j'ai Eri ensuite. Restum. Okay. Ouais. Luxio. Luxio, tu joues ou pas? Ici, okay. Ouais, je suis chaud jouer moi. Ouais, je sais, t'inquiète. Ok. Observatoire. Du coup, j'ai Eri, Restum, Luxio, les deux autres. Risto. Enfin, moins, hein. Risto, ok. Et Bichard. Ok. Bichard. Je vais vous TP du coup. Ça marche. Hop. J'ai juste une question, les mecs. Le PNJ, il comptabilise les blocs qu'on a, parce que moi c'est dans un coffre, c'est ça? Ouais, comme ça. Rico, t'as pas les trucs. Attends, je sais pas en fait. Moi je veux pas dire, mais il y en a un, il est pas dans notre équipe là. Qui a pas joué tout à l'heure? Lucio et Eric. Mais Eric connaît. Écoutez, en fait, regarde Lucio. Regarde. Il est pas marqué vert. Regarde, ça commence ici. En gros, on va ce bloc là. On va tout droit. Ouais, bah ouais. Attendez, je vais mute un coup. Parce que là, ils font l'épreuve, donc ça rien que je les dérange. Ouais, je vais le mettre dans le coffre ferme, t'as raison. Hop. Y a un truc, les mecs, j'ai pas bien compris. On est d'accord que typiquement. Bonjour. Là, tu vois, l'andésite, il dit qu'il y en a 84. On est d'accord que c'est peu importe les blocs que j'ai, peu importe le coffre dans lequel je mets, c'est comptabilisé. On est d'accord de ça. Donc là, par exemple, faudrait que j'aille focus la masse d'andésite et de granit. 12 stacks de chaque. Typiquement. Putain, j'ai plus de bouffe. Merde. Et globalement, c'est ça, quoi. À partir du moment où c'est dans un coffre, on avance. Alors, j'ai encore du mal avec le PNJ. Genre, pourquoi spécifiquement se concentrer sur l'observatoire? Parce que je crois que l'observatoire, en fait, on peut le faire maintenant. Il y a des trucs qu'on pourra pas faire, qu'il faudra faire dans le laser après, mais.
Mais ouais, mais c'est vraiment trop cool. Je kiffe le concept. Du coup, là, il faut que je prenne granit et il faut que ce soit dans un des 6 coffres autour des PNJ pour que ça comptabilise, je crois. Ah, mais alors, du coup, les iron bars que j'ai enlevés, ça va plus être comptabilisé ? Non ? Je sais pas. Bon, bref, on verra après. On verra après. Granit et andésite, c'était l'autre. Hein. C'était pas diorite, c'était andésite. Comme ça. Donc on va essayer de récupérer le plus de trucs comme ça possible pour farmer l'observatoire. Donc ils font le jeu. Hop. Attends, on va faire un truc tout de suite. On s'emmerde là. Tu m'emmerdes l'eau. Ah bon. Diorite, andésite. Non, granit et andésite. Bah c'est bon, andésite, c'est good. Hop. Hop, donc récupérons un petit peu tout ça. C'est bien, en plus on est sur une chaîne de montagne, donc je vais en avoir un petit peu à vue comme ça à l'extérieur. Ça va être plutôt pratique. Ça va être plutôt bien, je pense. C'est 12 stacks d'andésite, du coup, enfin 11 plus 60, donc on va dire 12 stacks. Donc ça va être pas mal. Hop, on va essayer de récupérer tout ça. Il y en a beaucoup là, c'est nice. Le fer, non, c'est pas du fer, merde. C'est pas grave. Hop, je kiffe ce petit côté farm et tout là, ça faisait longtemps. On a un bon filon là, c'est nice. Pour un autre bâtiment là, diorite. Ouais, bah, attends, déjà je vais me concentrer sur l'observatoire. Hop là. Ok. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres endroits là? Là, on a tout pris là, on est d'accord. Je crois qu'ici on a tout pris, donc on est sur 2 stacks déjà. Alors avec tout ce qu'il y a là, je pense que si l'andésite on la fait pas. Même ça. Hein. Vas-y go. On va le faire. On va m'attaquer à l'autre. Ah. Ok. Bon, j'espère qu'ils vont le win. On a win la première, c'était bien. J'espère qu'ils vont la win. On va voir. De toute façon, je prends là. Là je prends. À mort, là on a un bon gros filon, c'est bien. On a une bonne pioche pour faire ça, donc ça va le faire. En tous les cas, on avance, même on va pas être tout seul à farmer ça, hein, mais c'était fun. Enfin, je vais leur dire. Ah, c'est vrai. Pauvre Louis, frère, 75 ans de Minecraft. Ah, après, ils ont déjà fait une partie aussi. Les mecs, oui, je suis en train de. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui le font ça ou pas, mais je suis en train de farmer à mort granit et andésite là pour l'observatoire. Je fais ça aussi. Ok, bah j'ai déjà quelques stacks, donc tous ensemble. Un gaz 60 stone et un gaz sur le colorant blanc. Je ne sais pas qui peut faire ça. Moi, le vert, je les a exterminés. Ah, vous avez gagné du coup, ça y est. J'ai même pas vu le message dans le chat. Ah, bah j'ai. Fait avancer le leur, je crois. Bon, ils sont toujours à 220. Nous on est à 0. Ah bah parfait. Du coup là il y a encore une manche derrière. Ils ont fait avancer d'un mètre. Ah oui, c'est bon, il faut avancer. Donc on a win. C'est bon, je crois qu'ils ont. Bah là on a. Oui, ils l'ont fait dans le même temps que nous on l'avait fait la dernière fois en soi. Nice. Du coup on gagne quoi? Il t'a dit ou pas? Bah en fait je crois que c'est une réduction en fait de temps sur la fin. De temps sur la fin. Genre si t'arrives sur la lune après 20 heures de jeu. Ouais, d'accord, ouais. Genre ça t'enlève du temps en fait. Ah, ils ont pas dit ça, hein, ce que t'avais dit de départ, mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils puissent rajouter juste des trucs, des achievements qu'on avait pas. Enfin, non, des trucs qui nous manquaient, genre. Ah, ça, dit, c'est pas plus mal, hein. Ça peut nous empêcher. Genre en mode, si il manque à tout le monde des matériaux, ils vont donner des matériaux, quoi. Ouais, c'est bon, ça, ouais, tant mieux en vrai. Ouais. Je vais voir. Ils ont du mal, il a l'air chiant à faire démarrer. Je pense qu'il faut essayer de mettre un rail sous lui et. Mais tu peux pas en fait, il te gêne. Tu peux pas parce que ça le décale. Mais ils ont réussi, hein. Je vais les voir faire là. Genre ils l'ont mis vraiment au collé, genre vraiment pas loin du tout, et du coup ils sont juste montés dedans un tout petit peu, ils ont fait gauche-droite et hop. On a un coffre observatoire ou pas? Après vous avez bien réussi là. Non, parce qu'il était pas dispo à ce moment là. Okay. Non, en vrai je suis en train de faire du granit et du truc aussi, Sif.
Ouais. Vraiment, okay. Là, faut vraiment sanctionner les colorants dans les refs. On est déjà trop. En gros, là, en gros, moi là, j'ai fait des outils. Mais non, mais j'étais déjà sur. Par contre, ouais, il faut mettre ça dans les coffres proches du PNJ, sinon il le prend pas en compte. Hein. Ah oui, je crois que les... la Nether Brick, c'est le truc de forteresse. Ouais. Ouais, mais il le fait, je crois déjà. Bah, ouais. Ah, il en faut combien parce que je suis à une forteresse. Plus B. Ah. On écoute là. Votre attention s'il vous plaît, simplement pour une information qui est je pense importante par rapport aux équipes qui manquent de joueurs, c'est complètement possible de venir rajouter des remplaçants, des joueurs en plus, il n'y a aucun problème. Pour cela il faut simplement qu'il aille sur le banc sur le Discord et qu'il fasse la même chose que vous, s'inscrire, et il pourra rejoindre. Et de toute façon, dans tous les cas, que vous soyez 10, 12 ou même 15 dans l'équipe, vous ne pouvez être que 10 maximum connectés, c'est le serveur qui vient nerf ça. Et on est en train de. Donc les mini-jeux sont terminés. J'ai les résultats, je peux vous les dire maintenant. Donc, l'équipe CQE a gagné le premier match contre la Badawin. L'équipe verte a gagné contre les Barbus. La Kraftok a gagné contre les Singes. La Stonks a gagné contre l'Ultime Recours. Les Maçons ont gagné contre l'Undefeated. La Kraftok a gagné contre l'Undefeated. La Padawin a gagné contre les Stonks. L'équipe verte a gagné contre les Maçons. L'équipe CQE a gagné contre les Singes. Et l'équipe Les Barbus ont gagné contre l'Ultime Recours. Ce qui fait que, alors on a des égalités du coup, en égalité en première position on a l'équipe verte, on a les Sekio, oui, on a les Kraftok. Et après j'ai du mal à lire le classement parce qu'ils sont en train de le faire. Du coup bravo si vous avez deux victoires, ou une victoire et une défaite, ou deux défaites, les prix bravo sont différents. Bravo si vous avez deux défaites, bravo, bravo. Bravo à tous. Parce qu'il faut qu'on les give me les jolies. Voilà, la bise, bon, merci d'avoir joué, j'espère que ça vous aura plu, même si ouais, c'était cool. Slash, n'utilise pas les minecarts de Minecraft, parce que ça reste quand même Minecraft. Voilà. Petit jeu inspiré de Enraid. Allez, à très bientôt. Et bah, long, voilà, bah, bon après-midi en fait. Ouais, bon, c'était, enfin, bien. C'était cool en vrai. Ouais, en vrai, comme mode de jeu, je trouve ça change. Bah, deux ouais. Non, ouais, c'est Bichard, est-ce que t'as envie d'exterminer des Allemands l'année prochaine sur ce mode de jeu? Ouais. Oui. T'imagines, avec un trajet genre un peu plus long. Ah, écoute, on peut s'inspirer, hein, moi. Ça peut être une belle histoire de famille des Allemands sur des chemins de fer. Bon, écoute. Oh, putain. Oh, on va pas aller si loin là. Ça, c'est edgy. Hein. Je n'ai pas de, pas de problème, moi. Il faut combien de briques de Netherrack? Un stack, je crois. On peut y aller là, dans le désert ou pas? Nether Brick, c'est 12 stacks. Ouais, ah, c'est l'End qui n'a pas encore ouvert, ouais. Non, 16. Il y a quasiment assez d'Ends. 19h l'End. Ouais, c'est ça. 12, c'est la granite. Il y a quasiment assez d'Ends, c'est moi juste la granite. Ah, ouais. Ok. Ah ouais? Attends, en Desit. C'est blanc, non? Là, en Desit. J'en ai amené là déjà. J'en ai amené pas mal, je vais quasiment la finir. Bah, en Desit, normalement, je viens de ramener 2 stacks là. Peut-être que ça suffit. D'ailleurs, en même temps, là, que je suis en train de farmer des levels, je farm le granite, on est pas mal. Ok. Moi j'ai un endroit où j'ai plein de granit là, je vais reprendre. Oui, il faut de la grès sandstone, limite quelqu'un se met là ça ou pas? Oh. De la grès sandstone? Ah, c'est de la grès quoi. Donc la sandstone. Ah, de la sandstone? Ouais. La grès sandstone, putain, ouais. Quelqu'un se met ou pas? Ouais, ouais, ça se trouve, hein, je pense. Hein. Sandstone, le mieux c'est vraiment pioche dans un désert. Hein. Ouais, bah j'ai du sable. J'allais faire ça. Je vais aller faire ça, je vais me suicider en boucle jusqu'à ce que je trouve un désert. Donc là on focus observatoire en premier. T'es pas obligé de faire ça. Ouais, observatoire first, comme ça, ça... En fait ça réduit le cooldown de construction. Ouais. Ah oui d'accord, ok. Pour ça. Ouais. Okay, comme ça tous les autres, bah, ils se feront rapidement et si on farm... Ouais. Eri il a déjà théorycraft tous les mêmes là, ça y est. Il a fini les 20 hein. Ah mais Eri, attends, pourquoi tu crois que je voulais Eri? Theorycraft. J'ai Eri, mais Eri, c'est bon. C'est bon, parfait, j'ai trouvé. J'ai fait chauffer toute la brique. Un désert. Enfin, toute la clé. Donc on a, on a déjà toute la brique pour un truc. Ok. Je reviens, je vais. Au repas de famille. Aïe, aïe, ça y est, il est plus là, on a perdu. Ça va, dessert. Voilà, voilà. Garde-moi une part de gâteau. J'ai un village là. Il faut là, il faut la sandstone, je pense. Ouais, mais je suis en train, je suis en train. Ok. Et c'est quoi qu'on en blanc? C'est des fleurs? C'est des fleurs? Je sais pas. Il va falloir ramasser, comment tu dis? Je crois qu'il faut des couleurs en blanc, non? Ah, des couleurs en blanc, oui, c'est des fleurs, oui. Ou les œufs. Non, les œufs. Oui, non. Oui, plus barrière. Ah, les œufs en blanc, ce cas-là. Non, 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 j'ai cru, mais non. Je crois pas. Mince. Bah, en tout cas, il va falloir pas mal, je pense, des couleurs en blanc. Hein. Ouais, bah après ça, tu vas dans des plaines et tout, tu chopes des fleurs. En vrai, ça peut le faire. Comment on fait des. Quoi? Ah, c'est nous cède. Prends rien. Bon, la sandstone, ça sert à quelque chose? Bah ouais. Ouais. Ah, avec la stone, tu peux faire des stone bricks.
vois les mobs, ça y est, là, j'ai ma veste. Bonjour. Alors, observatoire, il nous reste 30 d'andésite et 250 de granit. Okay. Granit, c'est bon, je le ramène. 150, bon, c'est bon, je le ramène. Et combien de grès aussi? Grès, attends, je te dis. Grès, 20 stacks. Ah bah, ça va être long, mon pote. Hein. Ah, c'est rapide, vas-y, je vais essayer. Ouais, c'est rapide, mais Il faut, je crois. Faut juste que j'en... Oui, ça va être quoi? La grès. La sunstone. Oh, c'est pas, ah, la, oui, c'est oui, pas oui. La clé, hein. Mais c'est chiant. Oh, de la grès. Oui, oui. Attendez, c'est bon, là. Le mieux, c'est pas de le faire avec du sable. Ça te rend heureux de farm, je te jure que oui. Je suis pas sûr. Ouais, moi aussi j'aime bien là. Je suis pas sûr. Je pense que le mieux c'est de le choper direct. Ok. Ah, là j'ai du sable, est-ce que tu veux que j'en prenne pour le grès quand même? Mais j'ai non, pas mais de. En gros là j'ai un biome j'ai parfait. Pas de sens. Ok, ok, ok. Et le vert, il faut quoi du coup? Il faut du vert? Le vert, je sais pas, je suis parti. Attends, je retourne. Je retourne là si tu veux. Bah voilà, trouver l'endroit parfait. Genre. Ouais, je veux bien. Il manque combien de stacks là? J'en ai. Ah, attends, bah j'ai du grès, j'en prends aussi quand même. 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. J'ai en vrai, ça va vraiment très vite. Ça va vraiment ouais, vite. Ouais, ça va. C'est quoi la sunstone là? Ouais, ça va très vite. Hein. J'en ramène déjà beaucoup là. Ah, là, j'en ai trouvé aussi. Alors, il y avait 1024 stone de petits murs en pierre brique là qu'il fallait faire. Il manque andésite, ah, il manque quasiment durite, rien. Ah, le granit, c'est... Observateur, regarde ce que je viens de poser là à l'instant et j'ai fait qu'un petit truc. Hein. Il faut 642 verres par contre. Il manque du granit ou on a ce qu'il faut? Non, c'est bon, c'est bon. Sinon, il faut de la diurite pour mes plantes, ouais. Genre. Pour la forge. Il faut de la diurite, attends, j'en ai plein. J'en prends pour de la forge niveau je sais plus combien là. Bah vas-y, on verra après. Bah j'en ai sous les yeux là, vraiment, je l'en prends. Ah oui, tu vas en prendre. Mais il en manque pas beaucoup. Mettez pas dans les coffres. Il en manque combien de la diurite? Genre, il manque 2 stacks, un truc comme ça. Ouais, vas-y, je la prends. J'en ai plein autour de moi là, vraiment. Je suis dans un biome montagne donc j'ai que ça. Ah oui. Bah, moi je suis bientôt fini sur la sandstone. Okay. Et du coup, il faut 640, ça veut dire 10 stacks de verre, je crois que je les ai. Je suis pas sûr. J'ai trouvé le spot parfait pour la sandstone. Là, il faudra juste un max de. Le colorant blanc. Hein. Et les arbres de bois, on est bon ou pas enfin, Marwan, je demande-lui. Qu'est-ce que 64, j'en ai combien? 1, 2, 3. Il faut de la diurite du coup? Ouais, mais non, c'est bon, je la termine là, c'est bon, t'inquiète. 10, 12, 12, 13. Et faut quoi en câble, les gars? C'est pas ni grain de diurite ni l'autre truc, c'est bon? Non, c'est bon, on a tout. C'est bon ça. Non, la diurite, c'est bon, j'ai bientôt fini. 15. Ouais, grès, prix du nether, je sais pas, il y en a quoi. Ouais, c'est Marwan qui gère tous ces trucs là du nether. En fait. T'es mieux que Marwan? Ouais. Ça, c'est un clavier ça. Je sais pas écrire, frère, j'écris la zeb. Je vais voir si j'ai des stacks de sable. Il y a moins que je les ai, je sais pas. Ok, tous les murets de pierre taillés, je les ai faits. Ok. Ok, observatoire, il manque, il manque 2 stacks de grès, donc ça va aller. Il manque quoi pour l'observatoire? Un stack de grès, la nether brick et du sable. Mais attends, regarde, déjà le grès, je vais en mettre. Non, le sable, c'est bon, c'est bon. Il manque du colorant blanc, les refs. Il manque du colorant. Bonjour. Le colorant blanc, c'est quelle fleur qu'il faut? Grey, il en manque pas beaucoup. Oh non, j'ai fini là. C'était pour. Attendez que je la mette dans les coffres, c'était pour quoi la diorite? Vous m'avez dit la forge? Forge, je crois. Non, y a pas dans forge. Attends. Enfin, à moins qu'il y en avait pas encore, mais. C'est attends, je vais te dire ça parce que j'en avais posé. Attends. Akaza est immortel! T'as bien raison, Rollo. Très très bon clip. T'as buzzé sur le petit écran. Là j'ai pas là donc. C'est ça, forge niveau 2. Ok bah je la mets dedans. Ouais. Bah je sais pas, ils sont pas dans ce coffre là mais je. Non moi je les avais posés directement dans les coffres. Ah oui là. Ah ouais d'accord, vas-y attends je te rejoins. Tu vois comment ça devient beau petit à petit quand même notre base. Mais ouais t'as vu. J'aime trop hein. C'est bon on a ce qu'il faut. Ah non putain mais il m'en manque 10, je pète un câble. De quoi? De grès. Bonjour. Un peu. Je pensais j'avais assez mais non. Vas-y attends, j'en avais à côté de moi. Non mais c'est bon, GG, je suis au cordon. Ah ok. Oui je fais des allers-retours juste, c'est chiant. Ouais t'as raison. Ok, alors y'a quoi d'autre? Attends. J'adore ce productif. Ouais. Ah mais ça c'est parfait. Genre les 3 jours sont parfaits, tu vois. Pas plus. Pour l'observatoire, il faut du vert blanc teinté, vous savez ce que c'est? Moi le vert j'ai tout, c'est juste qu'il me faut juste les trucs pour. Vas-y, je vais essayer. Le vert teinté c'est avec de l'améthyste? Mais non. Non, le vert teinté. Mais non, Bichard, non, c'est pas ça. C'est genre tu prends des vitres et tu mets un colorant et c'est bon. Mais c'est ça, c'est vraiment juste un jeu. Les colorants, c'est ça, c'est ça. Colorant, c'est les fleurs. Je vais essayer d'aller trouver un biome. Essayer de trouver des biomes pleines ou des trucs comme ça avec des ox, non, daisy, je sais pas quoi là. C'est sûr. La bonne mille, ça fait du blanc? Non, ça marche pas. Ah putain, j'ai un doute.
Oui, quand tu mets dans ton tas de craft. Et puis, vous voulez que je regarde? Test de faire du verre, ouais. Ça marche pas. Attends, ça. Alors, on me dit poudre d'os ou fleur, ouais. Si tu prends la bonne mille et tu la mets dans ta table de craft en haut, et ça fait de la what die. Ah! Ah, oui, ok. Et après, tu fais ça. Faire teinte, c'est de l'améthyste, ah bon? J'en ai un stack là, de white die. Ouais, il a toute raison, c'est de l'améthyste. Oui, alors le truc teinté, c'est que en fait. Bah, en fait, avant, tu pouvais faire des verres colorés, mais depuis qu'il y a l'améthyste, t'as aussi les verres teintés, donc. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, teinté, c'est améthyste, il paraît. Bah, c'est écrit quoi? C'est écrit. Attends, je demande à Wook. Vert blanc. Non, c'est vert blanc. C'est white stained glass. Non, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Stain. Ah, stained. Tu veux English. Stained. Stained, ça veut pas dire teinté? Ah là, j'ai des trucs blancs là déjà. Eux, ils ont écrit vert blanc. Okay. On va lui demander. Tiens, là, j'ai des fleurs. C'est des Lily of the Valley et ça me donne du white dye. Donc c'est bon. On a assez de white dye, vraiment. Déjà? Ah ouais. Oui, j'ai un stack. Il faut mon sable cuit. Ah, il faut 1200 verts, hein, je crois. Ok. Bon, il doit être AFK parce qu'il répond pas. Ah, il faut 640. Ok, nice. J'ai toute la. Je vais aller fermer la Netherbrick. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, bah parfait. Okay. Ça va vite, ouais. On peut avoir l'observatoire. Ouais. Ça sert à quoi en fait, Dwarf? Ça sert à. En gros, tous les bâtiments après, ils prendront moins de temps. Ah, ouais, ça c'est bon. Et vu que maintenant, genre, les bâtiments ils prennent genre une heure, c'est gigawatts. Ok. Et briques du Nether, du coup, on en est où? C'est fait. Bon, c'est fait. Et vous les avez mis où? Parce qu'on est à zéro là-dessus. Je suis en train de les mettre là. Pardon. Hop. Vous pouvez me préparer un coffre avec des ressources. Ouais, j'ai 6 stacks de colorant blanc. Attends, je peux en faire encore? Il m'en faut 10. Merci Amédi, merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous plaît les gens là. Je suis un peu plus focus, j'avoue, je vous parle moins. Ça y est, je suis un peu dans le farm. Je kiffe. Ça faisait longtemps en vrai qu'on avait pas fait ça, je kiffe bien. Donc voilà, on avance. Oui, pourquoi ça affiche à ça? Pourquoi c'est affiché à 0? Je sais pas, je le vois à 0 aussi. Hein. Brique du Nether. Vous avez cliqué sur actualiser les ressources? Ouais. Brick du Nether 0. C'est bien le truc. Tu l'as bien mis dans le bon coffre? Attends, tu l'as mis où? Bah, ça change rien le coffre dans lequel tu mets. Ouais, Nether Bricks. Bah. Attends. Oh non! Ça doit être le lingot. Non? Donc il faut faire cuire de la Nether. Oh. Je suis pas sûr, mais parce qu'en fait là, c'est vraiment Nether Brick au singulier. Tu vois, et toi, il y a un S nous, sur Nether Bricks. J'ai un S de Netherrack sur moi. Attends, je suis pas sûr. J'amène à la base. Si je tape juste Nether Brick, ça me sort quoi? Non, ouais, Nether Brick, c'est le lingot, et Nether Brick avec un S, c'est le truc. De Brick. Du Nether. Juste faire cuire. Ouais, faut juste le faire cuire. Ouais. Ok, donc c'est ça. Là, j'ai mis le Netherrack en main. Et du coup, le verre blanc, on fait cuire le truc. Ok, alors il y a quoi d'autre là qu'on pourrait avancer du coup? Bah, il faut des trucs dans le Nether. J'allais prendre les magma blocs parce qu'il faut des magma blocs. Je sais plus quoi. Du coup, regardez les fours un peu, j'ai mis les Netherrack. Du coup, faire cuire la Netherrack. Ouais, c'est bon, ouais, il est en cours. Faut la faire cuire dans le Nether, limite. Il y en aura pas assez. Avec des sauts de lave dans le Nether, tu. Pardon. Bonjour. Un stack de Nether Brick pour rien. pour rien après, c'est ça, se refermer derrière. C'est Eri, dans le PNJ, là, l'érudit, ça dit pas que dans les bâtiments requis, il faut l'observatoire, c'est normal? Normal, c'est secondaire. Mais tu. Ouais, ok, d'accord. Mais c'est quand même mieux, ouais, qui sera plus important. En fait, quand on va arriver dans les derniers et que ça va prendre genre 2 heures, bon, si ça nous réduit à 1 heure, c'est pas mal. Hein. Ouais, on est d'accord. Ouais.